Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo consacrée à une unité de renfort pour mon armée française de chez Guidis Gaming. Aujourd'hui on va découvrir les résistants français. Avant ça je voulais vous dire deux petites choses. La première chose c'était pour vous présenter déjà le résultat en peinture de ce que j'ai réalisé au niveau des cratères. Voilà, j'avais fait une petite vidéo il y a peu de temps, je vous avais promis de vous montrer un petit peu le résultat, donc la vidéo je vous invite à la regarder, vous avez le lien en haut, et au niveau de la peinture, conception de peinture, ça m'a pris à peu près une demi-heure, donc c'est quelque chose de très facile à faire, avec très peu de matériel et qui vous reviendra quasiment à rien. Deuxième information, c'est que se finit normalement ce soir le concours de peinture consacré donc à la Seconde Guerre mondiale et aux figurines de chez March to Hell. Donc le principe du concours, il est plutôt simple. On télécharge une figurine, on se l'imprime et on la peint. Donc il y a le choix entre deux figurines, comme ça tout le monde part un petit peu sur un pied d'égalité. Mais sans plus attendre, je vous propose de retourner à l'atelier pour découvrir ces fameux résistants. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu es Sabotin, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère.